Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de faire un morceau d'harmonica, là, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, j'ai des bouts de tissu, des coupons de tissu. Bon, vous avez pu remarquer sur les vidéos précédentes en confinement là, que j'ai ce masque sur la figure en tissu de camouflage. Ma réflexion là aujourd'hui, c'est on n'a pas de masque. On nous dit il n'y a pas assez de masques, fabriquez-en. Donc, c'est pas con, puis de toute façon, c'est pas la peine d'attendre et tout. On n'a rien d'autre à faire. Hein. C'est tous les petits masques que j'ai fait là, je les ai faits sans machine à coudre, hein, avec une aiguille du fil. Et puis c'est tout. Puis il y a un filtre à l'intérieur en plus. Hein. Et je me suis dit, ben alors, puisqu'on fait nos masques nous-mêmes, parce qu'il n'y en a plus, pourquoi ne pas faire notre papier cul nous-mêmes, puisqu'il n'y en a plus? Quand vous allez au supermarché, il n'y a plus rien. On se demande pourquoi. Hein, parce que les gens, en fait, peut-être qu'ils sont en confinement, ils mangent plus, donc ils chient plus. Ça se comprend, c'est une logique aussi. Enfin bref. Du coup, comme il me reste, je vais essayer d'en trouver s'il me reste d'ailleurs, parce que c'est pas sûr qu'il m'en reste. Oui, il me reste encore du tissu camouflage. Vous voyez, eh ben, je vais fabriquer moi-même mon papier cul recyclable, lavable, en tissu. Voilà, en tissu. Pourquoi le tissu camouflage? Ben, ça se comprend tout de suite. Hein. Hein? Si jamais il y a une trace de pneu, quelque chose, ben, au moins ça ne se voit pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse. Comment faire avec son papier cul laver du papier cul, vous vous rendez compte, c'est dégueulasse. Ah ben non. Non, non, faut pas le laver. Il faut le rentrer au micro-ondes pour que ça puisse se désinfecter grâce au micro-ondes. Vous voyez, c'est intelligent, oui, c'est intelligent. Ah ben, pardon. Bon, j'ai arrêté les conneries.